Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Zambé. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette opportunité. Et je remercie énormément mon père, le révérend Jean Bosco Kindomba. Là où il est, que Dieu lui fortifie encore et encore. Je pense au révérend Papa Moïse, Pasteur Marius, Maman Annie et toute l'équipe. Merci pour l'accueil. Amen. Amen. Toute la semaine, on était ici dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur a manifesté sa gloire et son amour envers nous. C'était la semaine qu'on avait surnommée ou dénommée la semaine de la résurrection. Et c'était waouh par la grâce de Dieu. Et le vendredi passé, c'était vraiment la fête. On a célébré la résurrection. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 17. Du 1er au 7e verset. Après, nous lirons Matthieu 3, verset 17. Nous allons encore prendre Hébreux chapitre 1, verset 5. Et on finit, ça sera Psaume 2, verset 7. Nous allons lire une fois pour toutes et après nous passons aux explications. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Vous allez voir que Jésus choisit 3 de ses disciples parmi les 12. Ce sont des disciples avec qui le Seigneur avait vraiment des intimités plus que les autres disciples. Ils étaient vraiment familiers. Et il y avait des particularités que nous allons peut-être exploiter pendant la semaine. Le pourquoi de Pierre, de Jacques et de Jean. Vous allez voir même dans la résurrection de la fille de Jairus, il a pris les mêmes personnes. Dans des moments les plus intimes, Jésus s'est rendu avec Pierre, Jacques et Jean. Dans notre amour, dans notre relation avec le Seigneur, mes frères, il y a des degrés, il y a des dimensions. Amen. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est ce que nous appelons la transfiguration. On va expliquer cela peut-être au courant de la semaine aussi. Verset 3. Voici Moïse et Élie apparurent s'entretenant avec lui. On nous cache réellement ce qui était le récit de leur conversation. On dit seulement s'entretenant avec lui. Ils se sont entretenus sur quoi? Quel était le sujet de leur entretien? Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Vous voyez, ils se sont arrivés à 7 personnes. Non, 5 personnes. 6, je crois. Élie, Moïse, Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Mais lorsque Pierre fait la proposition de construire des tentes, il dit, « Seigneur, nous allons construire seulement 3 tentes. »
Alors pour toi, Pierre, pour Jacques et pour Jean, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, à des fois, les gens s'oublient eux-mêmes. Ils se préoccupent de l'intérêt du Seigneur. Et ça, vous comprenez, mes bien-aimés. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pas Élie, pas Moïse, mais celui qui était au milieu. Dieu fait la déclaration solennelle pour confirmer que Jésus était son fils bien-aimé. Et c'est lui qu'on peut adorer et célébrer. Pas Moïse, pas Élie. Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Verset 7. Mais Jésus s'approcha, le toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Matthieu chapitre 3 verset 17. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Psaume chapitre 2 verset 7. Psaume chapitre 2. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous reprenons nos places. Nous allons partager quelque chose de très important. Jésus-Christ est le Fils bien-aimé de Dieu. Tous ces passages que nous venons de lire, mes bien-aimés, Dieu est en train d'appeler Jésus-Christ son Fils bien-aimé. Ce sont des textes à des circonstances tout à fait différente. Mais ce qui est important est que les témoignages ne changent pas. Que ce soit ce que Dieu dit dans le psaume 2:7, que ce soit dans Matthieu 3:17, que ce soit dans 17:5, les circonstances qui changent, mais les témoignages restent les mêmes. Dieu est en train de témoigner solennellement que Jésus était son fils bien-aimé, en qui il a placé tout son amour, toute son affection. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu en dehors de la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas étudier, expérimenter l'amour de Dieu en dehors de la personne de Jésus-Christ. Il est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Donc c'est l'intensité de l'amour avec lequel Dieu avait pour l'humanité. Alors pour exprimer cet amour envers l'humanité, il avait envoyé son fils Jésus-Christ. C'est là où mes bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas les données, là où il n'y a pas le don. Donc là où l'amour est sincère, l'amour s'exprime par le fait de donner, de partager avec la personne avec qui vous avez de l'amour ou de l'intimité. Donc pour que Dieu prouve de son amour pour nous, l'humanité,
l'expression de son amour, il le manifeste à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Lorsque vous êtes en intimité avec quelqu'un, vous êtes dans la relation amoureuse. Mais bien aimé, l'amour s'exprime par des cadeaux. Lorsqu'on était des fiancés, chaque fois qu'il y a rencontre avec ta fiancée, tu t'arranges toujours, mes bien-aimés, au-delà des paroles, parce que des frères sont terribles avec des paroles. Donc, au-delà des poèmes, mes bien-aimés, où on peut préparer pour capter le cœur de ta fiancée, il y a aussi des cadeaux surprises, des choses qu'elle ne s'attendait pas. Donc, c'est l'expression de l'amour. Lorsque vous voyez la relation de Jonathan avec David, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le cœur de Jonathan aimait tellement David, et Jonathan est passé par l'action. Il a pris son manteau, il a pris son épée, il a pris tout ce qui était de sérieux. Il a donné cela à David. Alors, le geste que Jonathan avait fait, c'était pour exprimer de son amour qu'il avait avec David. Parce que mes bien-aimés, Jonathan était prince. Selon mes frères et sœurs, la royauté, donc Jonathan était légitime pour pouvoir succéder à son père Saul. Parce que c'était un royaume. Alors, du fait que Jonathan a tiré tout ce qui était de meilleur, il les donne à David. Donc, sur le plan prophétique, Jonathan s'est dit déjà que cette place ne me convient pas, je la transmets à toi. Donc, c'était l'amour, mes bien-aimés. Et la Bible dit Jésus-Christ, il est l'héritier de toutes choses. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 1, Dieu a parlé par des prophètes, il a parlé, mes bien-aimés. Mais à ce temps de la fin, il parle au travers de son fils bien-aimé, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, du fait qu'il a donné Jésus-Christ, celui qui était l'héritier de toutes choses, en d'autres termes, Dieu a donné ce qui était le meilleur pour lui. Donc, tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu en dehors de la personne de Jésus-Christ. Alors, cela est très important. Au-delà des difficultés, des défis, mes bien-aimés, qui peuvent se présenter devant toi, lorsque tu regardes Jésus-Christ, tu peux contempler, tu peux lire, tu peux comprendre à quel niveau Dieu nous aime. Nous sommes arrivés à un point, mes bien-aimés. Je lis la parole. J'ai compris une chose. La Bible a dit, au temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous traversons des moments très difficiles. Si tu veux t'appuyer, mes frères, sur l'amour des gens, tu seras toujours déçu. Parce que nous sommes au temps de la fin où la Bible dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Peut-être à cause des crises, peut-être à cause aussi des manques de reconnaissance, à cause de l'ingratitude de plusieurs personnes. Cela fera que mes bien-aimés, nous vivons dans un monde où il n'y a plus de confiance. L'amour n'est plus sincère. Quelqu'un peut te rire avec toi par les temps, mais dans le cœur, il a d'autres dispositions. Moindre problème, mes bien-aimés, vous serez surpris comment il va se surchauffer. Et tu te poses même la question, mais on mangeait ensemble, c'est mon frère. Comment il peut prendre de telles décisions? Parce que le cœur de l'homme est tortué. Donc, alors, ce qui est important est que nous puissions nous accrocher à l'amour de Dieu, mes frères, tel qu'il a aimé Jésus, tel qu'il nous a aussi aimés. Donc, la déclaration qu'il a faite, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque nous sommes en Christ, ce témoignage valent mieux aussi pour toi, valent mieux aussi pour moi. Donc, les gens peuvent me trahir, les
Quand peuple m'abandonner, peuple se soulever contre moi. Mais je sais une chose, il y a quelqu'un au ciel qui m'aime. Et son amour envers moi est intact. Cela ne dépend pas de ce que je fais. Cela dépend de lui parce qu'il m'aime. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très important, mes bien-aimés. Nous le voyons avec Christ pour la première fois où Dieu parle de l'amour envers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas multiplié les pains. Les démons ne sont pas sortis du corps des gens. Ils n'ont peur aucun miracle. Mais ce qui fait sa force, avant de commencer le ministère, le Père témoigne de son amour pour lui. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des défis devant toi. Le défi de Jésus, c'était le ministère. Il était venu sauver l'humanité. Le défi était tellement grand. Alors ce qui pouvait lui fortifier, c'était l'amour du Père. Donc Jésus est l'expression, la manifestation de l'amour de Dieu. Alors au commencement juste de son ministère, le Père témoigne de son amour. Bien-aimé, quand tu veux commencer quelque chose, la chose que tu peux t'en souvenir, c'est l'amour de Dieu pour toi. Nous avons vu, nous le voyons, mes frères. Il n'y a pas tout ce que nous commençons ensemble que nous terminons ensemble. Il y a des gens, vous pouvez commencer ensemble, mais lorsque leur mission termine, ils vous quittent. Cela ne veut pas dire que toi aussi tu es fini. La mission est en train de continuer parce que l'amour de Dieu est sur toi. Dieu t'aime, mes bien-aimés. Ce n'est pas par rapport à ce que nous faisons. Jésus n'a fait aucun bien, aucune action, mais le Père témoigne de son amour. Je me redis à quelqu'un ce matin, tu es le fruit, tu es le produit de l'amour de Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu es là ce matin. Dieu ne t'aime pas parce que tu l'acclames. Dieu ne t'aime pas parce que tu l'adores. Notre amour avec Dieu commence, mes bien-aimés, avant même que nous le connaissions. Car la Bible dit, Dieu prouve de son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Il t'aime, bien-aimé. Tu n'as pas d'argent, compte sur l'amour de Dieu. Tu n'as pas de gens autour de toi, compte sur l'amour de Dieu. Tu n'as pas beaucoup étudié, compte sur l'amour de Dieu. Tu n'as pas de moyens, compte sur l'amour de Dieu. Comme l'amour marche avec les données, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de prévoir des choses. Oh, je sens quelque chose à venir. Dieu est en train de préparer des choses où il va t'accorder pour la manifestation de son amour pour toi. Je dis à une personne, si Dieu n'a pas hésité de nous donner ce qui était le plus précieux, oh, c'était avec Abraham. Quand Dieu teste l'amour d'Abraham pour lui, il dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Parce qu'à un certain niveau, dans notre relation avec Dieu, nous tombons dans la tentation d'aimer ce que Dieu donne, d'aimer le matériel, de nous accrocher aux bénédictions par rapport à la source. Là, c'est un problème. J'étais aigri dans mon cœur d'entendre quelqu'un dire qu'il aime leur prophète plus que Jésus-Christ. Mais quelle idiotie, mes frères! Quelle ignorance! Quelle abomination! Et lorsqu'on leur pose la question, ils disent maintenant, tout ce que nous sommes, c'est pour notre prophète. Mais ce ne sont que des matériels. Mais ce qui est important, c'est la vie, c'est le salut, mes frères. Donc on ne peut pas comparer l'amour avec Dieu et l'amour avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce prophète-là qui est mort pour toi. Ce n'est pas ce prophète-là qui a quitté les cieux. Mais d'ailleurs, mes bien-aimés,
Il est un homme. Il avait des faiblesses. Il avait des défauts. Mais Dieu nous aime d'un amour incontournable, mes frères. Alléluia. Alors, il dit à Abraham, donne-moi ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Parce que Dieu avait constaté que l'amour d'Abraham envers lui, l'amour d'Abraham avec Isaac, il y avait un conflit. Il y a des gens, mes bien-aimés, donc, avant que Isaac ne vienne, l'amour d'Abraham pour Dieu était à un niveau très élevé. Donc, dans leur marche, mes amis, l'amour d'Abraham envers Dieu occupait une place très élevée. Mais lorsque Isaac est venu, l'amour d'Abraham pour Dieu est entré en conflit. Parce que vous ne savez pas pourquoi Dieu avait demandé Isaac. Pour toi, Dieu a voulu tester la foi d'Abraham. Mais pour moi, mes bien-aimés, je comprends que l'amour d'Abraham pour Dieu était entré en conflit. Il y a des gens dans la salle, tu n'es pas encore marié, dévoué dans l'œuvre de Dieu. Tu ne manques pas au culte. Il n'y a pas de raison. Mais une fois que tu es marié, tu trouves du travail, il y a des raisons. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que l'amour que tu peux avoir envers les choses que Dieu donne puisse rivaliser ton amour envers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton ennemi que tu aimes beaucoup. Lorsque Abraham a osé donner Isaac, c'est là où Dieu a dit, maintenant je comprends que Abraham tu m'aimes. Donc, Dieu t'arrivera au point pour qu'il soit convaincu que tu l'aimes comme lui aussi il t'aime. Donc, Dieu nous aime et bien aimé. Alors dans cette histoire, Isaac représente aussi Jésus. Donc, comme Dieu projetait de donner son fils, il a voulu le manifester avec Abraham. Donc, Jésus-Christ est la manifestation, l'expression de l'amour de Dieu. Pendant son ministère terrestre, tout ce que Jésus faisait, il guérissait des malades, il ressuscitait des morts, tout ce qu'il faisait, c'était l'expression de l'amour de Dieu. Donc, en d'autres termes, si Dieu est là ici dans la chair, il ferait textuellement, exactement ce que moi, Jésus, je suis en train de faire. Devant les malades, il ressuscitait des malades. Lorsque les gens avaient faim, il multipliait le pain. Donc, c'était la manifestation de l'amour de Dieu qui se préoccupe de bien de ses enfants. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est là où la plupart des miracles, avant que Jésus ne l'opère, cela a été précédé par cette phrase. Jésus émit de compassion. Même pour ressusciter le fils de la veuve de Naïm, Jésus regarde la femme. La Bible dit émit de compassion. Il dit à la femme, ne pleure pas. Il arrête ses pleurs en ressuscitant son enfant. Ce matin, Jésus a compassion d'un frère. Ce matin, Jésus a compassion d'une sœur. Les gens ne s'occupent plus de toi, mais lui, il a compassion de toi. Je dis, il a compassion de toi. Je répète, il a compassion de toi. Lorsqu'il a compassion de quelqu'un, il passe aux actions. Cette année ne se terminera pas. Nous n'arriverons pas le 31. Quelqu'un vivra la manifestation de la compassion. Quelqu'un vivra la manifestation de l'amour. Que Dieu comble ton cœur de ce que tu as tant attendu. Que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Je dis que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Tu sauras, mes bien-aimés, que l'amour de Dieu est merveilleux. Dieu ne déçoit personne. Si ce mari t'a déçu, la fiancée t'a déçu, les frères t'ont déçu, ils ne sont que humains. Mais le Dieu de la Bible
son amour pour nous, il ne déçoit personne. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas menti à Sarah. Tu ne seras pas la première personne que Dieu va décevoir. Il ne te décevra jamais. La Bible dit, ceux qui se confient à Dieu, heureux celui qui se confie à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi à l'amour de Dieu. J'ai dit, confie-toi à l'amour de Dieu. Il donnera ce que ton cœur désire. C'est lui qui connaît les vrais besoins de ton cœur. Même en matière de prière, qu'est-ce que la Bible dit? Ne multipliez pas vos paroles, parce que votre Dieu sait de quoi vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un besoin ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui a un désir? Il y a un homme qui a un besoin. Je lève ma main droite et je prophétise que Dieu accomplit le désir de ton cœur. Que Dieu réalise le désir de ton cœur. Que Dieu donne ce que ton cœur désire. Lorsque tu dis amen, la chose commence à venir. Lorsque tu acclames, la chose arrive vers toi. Tu dis amen, je vois le ciel s'ouvrir. La chose est en train de descendre vers toi. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Bien-aimé, tu vivras son amour dans ta vie. Oh, alléluia. Il dit pour les enfants d'Israël, pour l'amour de Sion, moi Dieu, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion. Le Sion, c'est la partie prophétique d'Israël. Il dit, pour l'amour que j'ai pour Israël, je veux briser mon repos. Je veux briser mon repos. Même si j'avais des raisons pour lesquelles je peux me reposer. Mais à cause de Sion, le Sion est attaqué. Sion a des problèmes. Je brise mon repos et je veux intervenir pour eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu ne sais pas comment Dieu se débarque pour intervenir à ta vie, même pendant que tu dors, même lorsque tu marches, il se débrouille, mes frères, pour intervenir à ta faveur. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Alors, cette logique de Dieu, où il est prêt à briser son repos par rapport à ce qu'il aime, par rapport à Israël, par rapport à nous, ça ne commence pas dans la prophétie d'Ésaïe. Quand j'étudie Genèse, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, et au septième jour, la Bible dit Dieu se reposa. Donc, en réalité, il n'avait plus rien à faire. Dieu entra dans son repos. Mais quelques temps après, l'homme tombe dans le péché. Il brise le repos. Il vient encore chercher l'homme. C'est là où la Bible dit. Cette fois que le juste tombera, Dieu viendra. Il brisera le repos. On ne dit pas cinq fois. On ne dit pas trois fois. On dit sept fois que le juste tombera. Son Dieu, il y viendra pour le relever. Pourquoi sept fois? C'est le sept jour de la semaine. Donc si tu ne tombes pas lundi, peut-être mardi tu pourras échouer. Si tu ne trébuches pas vendredi, tu pourras avoir des problèmes jeudi. Les problèmes que tout ce qui t'arrivera, si cela se retrouve entre les sept jours de la semaine, le Père éternel, il est venu à te secourir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où quelque part on dit, vos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par cet chemin. Donc du lundi au dimanche, chaque jour où les ennemis viendront, Dieu va les disperser par cet chemin. Alléluia. Donc il y a un frère
À l'époque, il venait toujours donner des rapports pour quelqu'un d'autre. Il dit, pasteur, ce frère, c'était un aventurier. C'est pas que tu l'avais suspendu. Le pasteur dit, oui, je l'ai suspendu. Regarde, il a encore fait ceci, cela. Il part. Après quelques jours, il revient encore. Bien aimé, dans l'église, il faut éviter des accusations. Là où il y a des accusations, les choses se bloquent. L'accusation, c'est l'arme fatale de l'ennemi pour diviser les gens. Là où il y a les enfants de Dieu, c'est l'amour qui doit régner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je trouve mon frère Moïse avec un problème. C'est mon frère. Pourquoi passer directement au pasteur Marius? Pourquoi pas voir Moïse et parler avec lui? Pourquoi l'hypocrisie dans l'œuvre de Dieu? Là où il y a des accusations, là où il y a trop de rapports, bien aimé, ça démotive. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça démotive, mes bien aimés. Ok, nous avons besoin de la motivation. Ok, la chose qui peut nous motiver, c'est lorsqu'il y a l'expression de l'amour. Il a fait ceci. Bon, le pasteur s'est fatigué. Il dit, bon, combien de fois il fait cette erreur? Il dit, ça fait 5 fois. Le pasteur lui dit, il lui reste encore 2. Parce que la Bible dit, le juste tombera 7 fois. Donc, c'était une manière de décourager l'accusateur. Alléluia. L'amour couvre une multitude de péchés. Si Dieu veut nous bénir par rapport au mérite, personne ne sera béni. Je dis personne. Je le rappelle, personne. Je le répète encore, personne. Tel que nous sommes là, personne ne le mérite. Ce qui nous qualifie devant Dieu, simple son amour. Je dis son amour. Je dis son amour. Laisse que l'amour de Dieu vienne jusqu'à la porte de ton cœur. Laisse que l'amour de Dieu vienne jusqu'à la porte de ta maison. Adam, Dieu brise les repos. Il vient lui chercher. Et c'est la même méthode qui continue jusqu'à aujourd'hui. Quand nous ne connaissons pas Christ, c'est Jésus qui a quitté le ciel, qui est venu nous chercher. C'est comme cela que Dieu fonctionne. Par rapport à son amour pour nous, il vient toujours, toujours nous chercher. Toujours, il vient nous chercher. Adam, où es-tu? Je me cache parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Mon frère, qui t'a appris que tu as des malédictions? Qui t'a appris que tu es sous l'opprobre de votre famille? Abraham, Adam, où est-ce que tu as pris cet enseignement? Où est-ce que tu as pris cette doctrine? Qui t'a appris que tu as des liens? Qui t'a appris que toi tu ne réussiras pas dans la vie? Abraham dit, oh non, c'est la fin. Dieu a puni les serpents. Il a augmenté la grossesse de la femme. Mais quant à l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, Dieu tourne le dos. Il maudit la terre. Parce que Dieu savait que si je maudis l'homme du fait qu'il est mon image, ma ressemblance, je me maudis moi-même. Je me maudis moi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est l'image de Dieu ce matin? Quelqu'un reconnu être l'image et la ressemblance de Dieu? Si je maudis l'homme, je me maudis moi-même. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Lorsque tu places ton doigt dans les yeux d'un enfant de Dieu, c'est comme si tu touchais à Dieu personnellement. Celui qui
touche un enfant de Dieu, il met son doigt dans les prunelles de Dieu. Donc tel que tu es là, Dieu veille sur toi d'une manière extraordinaire. Oh, je croyais que tu allais déjà dire amen. Je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Je croyais que tu allais dire je le crois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'aime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise que Dieu l'aime? Il ne permettra pas que le malheur puisse t'atteindre. Quelqu'un croit que Dieu l'aime? Il ne permettra pas que tu sois trébuché. Quelqu'un croit que Dieu l'aime? Il ne permettra pas que tu tombes. Quelqu'un croit que Dieu l'aime? Il ne permettra pas que tes ennemis aient de l'avantage sur toi. Quelqu'un croit que Dieu l'aime? Il ne permettra pas que ta vie finisse comme ça dans le malheur. Quelqu'un croit que Dieu l'aime? Il te fera sortir de cette situation. Oh, si tu l'acclames, je serai content avec toi. Si tu pousses des cris de joie, je serai d'accord avec toi. Alléluia. Yes. Dieu a brisé les repos. Après avoir parlé avec eux, Dieu prend l'animal. Il tue l'animal. L'animal innocent qui n'était pas dans leurs conciences, qui n'était pas dans leurs problèmes. Mais je prends l'animal. Dieu prend l'animal. Il tue l'animal. Et il prend la peau de l'animal pour couvrir la nudité de l'homme. C'était déjà la manifestation de la l'amour de Dieu au travers la personne de Jésus. Lui qui n'a pas péché, lui qui n'avait pas de problème, il s'est fait pécher pour que nous soyons justice de Dieu. Alléluia. Pour l'amour de Sion, Dieu dit qu'il ne reste pas calme. Bien aimé, pour ton problème, Dieu ne restera pas calme. Pour ta situation, Dieu ne restera pas calme. Je dis pour les défis de votre vie, Dieu ne restera pas calme. Il a envoyé Jésus pour exprimer son amour envers nous. Alors, comme je venais de le dire, Jésus, dans son ministère terrestre, la Bible dit, loin du Saint-Esprit, il allait de lieu en lieu. Il guérissait des malades et il faisait du bien. C'était l'expression de l'amour de Dieu. Il ne s'est pas limité là-bas. Un jour, il se rend à Gethsémané. Il prend Pierre, Jacques et Jean. Il se retrouve en Gethsémané, en train de prier. Bien aimé, moi j'appelle Gethsémané de l'ombre à la réalité. Parce que ce que Jésus allait expérimenter sur la croix, il a tout vu dans la vision à Gethsémané. Il priait à tel point que les sueurs de son front se transformèrent en gouttes de sang qui tombaient par terre. Il dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe près de moi. Éloigne cette coupe parce qu'il a vu la scène. Comment il souffrirait? Comment il serait tué? Comment il recevait des coups? Comment il recevait des coups de pointe? Comment on va trouver à son côté? Il a tout vu à Gethsémané. Mais la seule chose qui l'a motivé pour conclure en disant, Père, toutefois, pas ma volonté, mais que la tienne prime au-dessus de moi. Parce que pendant qu'il priait, dans sa tête, dans son esprit, il te voyait, il me voyait, il voyait cette maman, il voyait cette dame, il voyait ses frères, il voyait cet homme. Dans son esprit, tu étais là. Pendant que Jésus priait, il regarde la scène de Golgotha. Il dit, Père, tu ne peux pas éloigner cette coupe. Mais d'un coup, dans son esprit, tu es à Paris. Je suis à Paris. Il dit, Niet, à cause de Maman Annie, à cause de Rolly, à cause de Fifi, à cause de Fiston,
toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté accomplisse. Jésus était prêt à affronter Golgotha à cause de toi, à cause de moi. J'ai dit à cause de toi, à cause de moi. Tu es le fruit de l'amour de Dieu. J'ai dit tu es le fruit de l'amour de Dieu. J'ai dit tu es le fruit de l'amour de Dieu. Écoutez mes bien-aimés, pendant qu'il priait, il retourne voir ses disciples. Il les trouve en train de somnoler. Il les réveille. Vous ne pouvez pas prier avec moi une heure du temps. Une vie de prière équilibrée. Ça commence à partir d'une heure du temps par jour. Donc si tu pries 30 minutes, 20 minutes, tu as encore une vie de prière là très basse. Vous ne pouvez pas prier avec moi une heure du temps. Il retourne en prière. Il revient encore. Il les trouve en train de somnoler. Je vous pose la question. Est-ce que c'est la première fois que Jésus se retrouve avec eux? Ils étaient leurs disciples. Ils étaient ensemble avec lui. Mais pourquoi ces jours-là, devant les grands défis, Golgotha qui était devant lui, les disciples dorment, les disciples somnolent, parce que les défis de la croix, ce n'était pas à leur compétence, ce n'était pas leur problème. Parce que si jamais Pierre pouvait prier, si jamais Jacques pouvait prier, l'œuvre de la rédemption allait inclure aussi la prière de Pierre, la prière de Jacques. J'ai prié, c'est pourquoi Jésus est allé à Golgotha. C'est là où Dieu le Père a dit non. Pour cette affaire, Pierre n'interviendra pas, Jacques n'interviendra pas, Jean n'interviendra pas. Dormez-vous paisiblement, parce que pour cette affaire, c'est Jésus et Jésus seul qui va affronter ces défis. Qui va affronter ces défis? Qui va affronter ces défis? Alléluia! Bien-aimé, lorsque dans la vie, il y a certains défis de la vie, où ça nécessite que tu l'affrontes toi seul. À des fois, vous plaignez pour rien. Il y a certains défis de la vie. Paul l'obitan wa kosal. Pierre a l'obaté. Ngape na salaka boye. Pour akoma oye akomi. Alléluia. Hey! Yes. Paul l'obitan wa kosal. Jean l'obaté. N'a peine à prier qui pour accommander à commis les lots. J'ai prié Dieu ce matin. Azouaïo. Père Salaoui à Kanikosal. Amen. Sans le concours de qui que ce soit. J'ai dit sans le concours de qui que ce soit. Dieu seul est capable de changer l'histoire de ta vie. Sans le concours des gens que tu croyais pouvoir t'assister. Je lève ma main droite et je déclare. Tu n'as personne, mais tu n'as pas personne. J'ai dit tu n'as personne. J'ai dit tu n'as personne. Tu as personne. C'est ça que je voulais dire. Tu n'as personne. Mais tu as une personne. Oh, oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu n'as personne. Mais tu as une personne. Tu n'as personne. Mais tu as une personne. Oh, tu n'as personne pour te propulser. Oh, mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'aime. Lui, il peut agir sans le concours de gens. Oh, j'ai prié Dieu ce matin qu'il te prenne en charge. J'ai dit qu'il te prenne en charge sans le concours de la main d'une personne. Vous allez vivre que Dieu est puissant. Vous allez expérimenter qu'il est merveilleux. Vous allez expérimenter qu'il ne peut jamais t'abandonner. Vous allez expérimenter qu'il ne peut jamais te délaisser. Il fera avec toi des grandes choses. Tu arriveras à la destination de ta vie en dépendant de personne.
indépendant de l'amour de Dieu. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il a tous les moyens, mes frères. Je dis, il a tous les moyens. Quand il veut parler, il peut utiliser l'arbre. Il peut utiliser l'âne. Quand Dieu veut venir au secours de quelqu'un, il n'a besoin de personne. Il a plusieurs moyens. J'ai dit ce matin que le Dieu de la Bible utilise tous ses moyens possibles pour venir au soutien de quelqu'un, pour venir au secours de quelqu'un. David s'est exclamé : je lève mes yeux à la montagne. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Parce que à cette époque, quand David fait cette déclaration, à cette époque, les montagnes, c'était des forteresses, c'était des lieux de refuge. Lorsqu'il y a des combats, les gens courent vers des montagnes. Maintenant, David se retrouve sur chaque montagne vers laquelle il pouvait s'enfuir. Les montagnes étaient occupées par les ennemis. Alors, je lève les yeux vers les montagnes. Il n'y a plus de secours pour moi. Autrefois, c'était les montagnes. Mais maintenant, je ne sais quoi faire. Il arrive à la conclusion. Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Mais bien-aimé, tu appelles quelqu'un au téléphone. Vous avez eu un rendez-vous. Ça arrive au jour du rendez-vous. Tu l'appelles. Il ne décroche pas. Ne te suicide pas. Il n'est qu'un homme. Là où le secours de l'homme se limite, le secours de Dieu intervient. Je dis, le secours de Dieu intervient. Je proclame ce matin que Dieu vienne au secours de quelqu'un. Je dis que Dieu vienne au secours de quelqu'un. Si c'est toi, tu pourras dire amen. Si c'est toi, tu pourras dire j'attends ce secours-là. Si c'est toi, tu pourras dire j'attends ça. Devant la mer rouge de ta vie, apprends à rester calme. Laisse Dieu faire les choses. Il dit à Moïse, dis-le, vous garderez le silence et l'Éternel combattra pour vous. L'amour de Dieu pour toi, il oblige de combattre à votre faveur. Un jour, j'étais avec ma femme. C'était ici au rond-point Victoire. Nous venions de se marier à peine une année. Elle était grosse. Nous sommes au rond-point Victoire parce qu'elle aimait beaucoup manger des pommes vertes. Alors, je la tiens comme ça à la main. Je suis en train de traverser Macadam. Il y a un véhicule qui faisait marche en arrière et a voulu percuter à ma femme. J'ai pris ma femme, je l'ai placée à côté. Directement, je plonge vers le chauffeur. Je dis, jeune homme, j'ai intimidé le chauffeur. Il dit, pardon, excusez-moi. Alors, quand nous sommes arrivés à la maison, ma femme me dit, toi aussi, tu connais des katagourouma. J'ai dit, mais quand tu es attaqué, je suis obligé. Même si, vous voyez, parce que c'est ma femme. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu se lèvera parce que l'église est sa femme. Parce que l'église est sa femme. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es son épouse. Ah, tes acclamations là m'embêtent là. Tes acclamations là ne me motivent pas. Tes acclamations ne me motivent pas. Tes acclamations ne me poussent pas à bien parler. Tes acclamations là sont trop froides. Alléluia. Alléluia.
Jésus est l'expression de l'amour de Dieu. Pour la première fois, mes bien-aimés, David dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Là, David parlait de la résurrection de Jésus dans une portée prophétique. Parce que David, il avait plusieurs choses en lui. Il était roi, prophète, chantre, berger, guerrier. Donc, tel que tu es là, Dieu a enfoui en toi beaucoup de richesses. Il y a encore des choses qui ne sont pas encore manifestées. Écoutez, mes bien-aimés. Lorsque il y a l'ours et lion, là, David se déploie maintenant comme guerrier. Lorsqu'il y a Goliath, il se manifeste comme guerrier. Devant les brebis, il est berger. Pour Israël, il est roi. Saoul a des problèmes, David chante des chansons. Donc, ça dépendait des circonstances. Alors, devant chaque circonstance de ta vie, il y a quelque chose que Dieu attend que tu puisses manifester. C'est là où la Bible dit: celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, celui qui a des problèmes, qu'il prie. Donc, à chaque problème, il y a quelque chose en toi que Dieu attend que tu puisses manifester. Alors, lorsque David dit: j'étais engendré aujourd'hui, c'était le jour où Christ est sorti de la terre, du tombe. De la tombe. Parce que Jésus a été engendré deux fois. La première fois qu'il fut engendré, c'est dans l'incarnation au travers de Marie. Et la deuxième fois, c'est le jour de la résurrection. C'est là où on dit qu'il est le premier né de toute la création. Alléluia. Amen. Tu es mon fils. Je t'ai engendré. Alors, dans Matthieu 3, Père prononce encore cette parole: tu es mon fils et bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parce que Jean avait du succès. Les regards des gens étaient tournés vers Jean. Quand Dieu a fait cette déclaration, tout le monde a compris que l'expression de l'amour de Dieu, c'est de suivre cet homme, que c'est de suivre Jésus, c'est lui qui est sorti du Père, et ce n'était pas Jean. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, les gens témoigneront. Nous avons les témoignages des hommes, et dans le lot des témoignages des gens, il y a de faux témoignages, il y a de mauvais témoignages, il y a de vrais témoignages. Mais c'est en quoi nous pouvons nous accrocher. Pas aux témoignages des gens. Parce que les mêmes gens qui peuvent t'acclamer aujourd'hui, les mêmes gens peuvent te tourner le dos demain. Accroche-toi au témoignage de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est important et meilleur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui peuvent t'acclamer preso parce qu'il y a quelque chose. Le jour où tu n'en auras pas, la version change. C'est un aventurier. C'est un escroc. C'est un dépassé. Mais le témoignage de Dieu, c'est ce qui est plus important. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont grandis dans des familles, ils n'ont pas eu la chance qu'on leur parle de bonnes choses. C'est ce qui a tué Michael Jackson. Parce que son père l'injuriait chaque fois par rapport à son nez. Tu as un gros nez. Regarde ton nez là. Comme une pomme. Alors, lorsqu'il a eu des millions, il dit: je vais prouver à mon père. Je vais changer mon nez. Et cela lui a causé de plusieurs problèmes de santé. Et cela a précipité sa mort. Maman, même lorsque vous avez des enfants, il ne faut pas tout le temps injurier les enfants. Parle des bonnes choses sur nos enfants. À l'exemple du Dieu de la Bible. Alléluia. Alors, dans la montagne des transfigurations, je vais exploiter ça pendant la semaine.
Élie est à Paris. Moïse est à Paris. Ils parlèrent avec Jésus. La gloire de Dieu était descendue. Pierre dit, il faut que nous construisions des tentes pour Jésus, pour Moïse, pour Élie. Comme le dit souvent notre papa, il a voulu mettre Jésus, Élie et Moïse sur le même pied d'égalité. Alors Dieu a intervenu. Celui qui est au milieu là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tu veux expérimenter l'amour de Dieu? Regarde Jésus. Il est le miroir, l'image, la vraie version de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, on vient l'arrêter. Judas lui donne le baiser. Il appelle Judas mon ami. Il pouvait se fâcher. Mais l'amour qu'il avait, il a félicité Judas. Pierre coupe l'oreille du soldat. Il pouvait encourager Pierre parce qu'il était dans son camp. Il prend l'oreille, il y remet. Et lorsqu'il s'approche de lui, les soldats tombent. Il se réveillait. Il s'approchait encore. Il tombe. Il se réveillait. Alors, dans la panique, ils ont voulu maintenant arrêter tout le monde. J'ai dit non, 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 non. Jésus dit non, non, non. Laissez ceci. Laissez-les. Prenez-moi. Parce que ce problème ici, ce n'est pas eux, c'est moi. Il était prêt à affronter pour toi et pour moi. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Soki Yesu te. Bisoba o toza wapi. Alléluia. Yesu. Tango babande ko tanga batu na quartier batanga kayote. Mais à cause de Jésus. Alléluia. Tu es ce que tu es devenu. Bona Yesu. O komi o za lelo. Tu es ce que tu es devenu. Même moi si à boya kayo pour former aux alaka na ngo seri wana moi si moko akolinga yo azate mais yeso atala ki formete ye alinga ki okaka. Alléluia. So ki ete masi anani ya baba bos menga na suka kala. Alléluia. Share bro sakire loro bro sakara bro shendere bro sa devant l'injustice de la société, devant les injustices des gens, nous n'avons besoin que de son amour. Ce qui était Massia, Menakufakala, Shanda Karabroche, baissons nos têtes dans la prière. Commence à déclarer Seigneur merci. Orobro. Est-ce qu'on peut nous chanter ça? Est-ce qu'on peut nous chanter ça? Il t'aime lui-même. Shandara bros, shikere bros, yokoro bros, karabra. Sokiyote masia de kayo. Esina kufa kala. Sokiyote. 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 Nakatoli. Nyonsoyanga. Nyonsoyanga ekotatula. Mokonzi oyandi maliwa ponanga mo ero digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à Jésus. Nyonso yanga ekotatula
Mokonzi oyo andimali wa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore. Nyonso yanga, nyonso yanga ekosangi. Mokonzi oyo andimali wa ponanga. Mon héros, mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à Jésus. Nyonso yanga ekotantola. Mokonzi oyo andimali wa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à Jésus. Nyonso yanga ekotantola. Mokonzi oyo andimali wa ponanga. Il est digne d'être acclamé. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à Jésus. Nyonso yanga ekosanjola. Mokonzi oyo andimali wa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à Jésus. Levez-vous, mes bien-aimés. Levez-vous. Cet homme ignorant qu'il était, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais il a oublié celui qui était à côté de lui. Il était plus que personne. Il était Dieu dans la chair. Lui, il cherchait des personnes. Mais Dieu est venu le chercher. L'amour de Dieu est trop fort. En aucun jour il te tournera le dos. En aucun jour il s'arrangera avec tes ennemis pour ton malheur. J'ai dit en aucun jour. Compte sur son amour. S'il ne nous a pas privé Jésus, qu'est-ce qui nous privera? Ce qui était de précieux, c'était Jésus. Il a offert pour nous. Qu'est-ce qui nous prouvera encore? Qu'est-ce qui nous privera encore? J'aimerais que pendant 3 ou 4 minutes, que quelqu'un puisse acclamer et dire à Dieu merci pour ton amour. Dis-lui merci pour son amour. Manifestez à la personne de Jésus. C'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop fort cet amour. C'est trop fort cet amour. Pourquoi Kaka Lingangaï? Pourquoi Alinganga? Nini Angongaï pour Alinganga? Nini Angonga pour Akufelanga? Nazan Nani? C'est trop fort. C'est trop fort. Kota là-bas, il meurt, il y a batouté. Kota là, il meurt, il y a patron Nayote. Kota là, il meurt, il y a ministre Nayote. Compte sur l'amour de Dieu. Chandarabro. Ton amour, son amour est intact. Son amour ne subit pas d'amélioration. Son amour est intact. Ça ne subit pas de changement. Son amour est immuable. Il t'aime. Je dis il t'aime. Je dis il t'aime. S'il est allé jusqu'à la croix, c'était pour toi. Shandara baba baba baba. Oh, libre seke. Lukandara baba. Yondo korobro seke reba. Shikerebro sakara. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Thank you.
Ne te fais pas du mal à cause de lui, à cause de cet homme-là. Ne te fais pas du mal à cause de cette femme-là. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Même lorsqu'on fermera à gauche, il ouvrira à droite. Merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. C'est ça notre force. C'est ça qui fait la force du sang précieux. Nous comptons sur son amour. Pas sur nos mérites. Pas même sur nos prières. Mais sur son amour. Est-ce que tu peux l'acclamer?